C'est. Need to record. On va attendre un petit peu que les gens se connectent, qu'Instagram envoie ses petites notifications. Hop. Alors, on va attendre encore un petit peu quelques connexions, le temps que Instagram envoie ses petites notifications, que vous trouviez 5 minutes pour vous connecter et nous rejoindre. Et puis on va commencer. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Voilà, donc bonjour à tous. Merci de venir nous rejoindre encore pour un live de l'Artim Media. On est très content aujourd'hui parce qu'on a une invitée très spéciale avec qui on a hâte d'échanger, qui est Laurence Meynier, directrice de la Fondation des artistes et qui a beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. Alors en attendant que nos abonnés se connectent un petit peu mutuellement, chacun de notre côté, on sait qu'il est 16h, il y a les enfants à aller chercher à l'école, tout ça. Mais on espère que vous viendrez nombreux. Et surtout que vous réjouissez comme nous de la prochaine ouverture des musées, des galeries, de tous les lieux qui nous ont tant manqué pendant ces dernières semaines. Alors je vais inviter Laurence à nous rejoindre dans quelques instants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ayat, je suis coordinatrice du magazine Artim Media, qui est donc un magazine qui a un peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi même, et qu'on a créé avec une équipe de professionnels du monde de l'art pour pouvoir mettre en valeur les talents qui font le monde de l'art tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, donc on est vraiment ravis d'accueillir Laurence aujourd'hui et on espère que vous aurez plein de questions à lui poser comme nous, que vous êtes très curieux de connaître les activités de la fondation. Alors. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à prévenir les gens qui peut-être n'auraient pas vu nos annonces. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite demi-heure, d'avoir Ah ben accepté. je vous en prie, je vous en prie. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir convié à parler de cette fondation dans laquelle j'ai la chance de travailler. Exactement, et puis on a hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle fait, parce qu'on en entend beaucoup parler de la fondation, mais on ne sait pas forcément Non. exactement ça. Et C'est puis vrai. ensuite, ça nous tient vraiment beaucoup à cœur aussi voilà, de parler de toutes les initiatives qui existent pour soutenir les artistes. C'est un moment un peu compliqué pour beaucoup de secteurs, de corps de métier, mais c'est vrai que les artistes ont déjà tendance à avoir une pratique un peu solitaire, souvent. Et en fait, il existe des structures et des initiatives qui peuvent les aider. Donc, merci beaucoup déjà de cette fondation et puis d'avoir accepté de nous en parler. J'espère que ça va en inspirer plein, que plein de gens apprendront des choses, seront inspirés et peut-être feront appel à vous. Ben j'espère. On est là pour ça. La fondation existe pour ça, pour les artistes. Et vous avez raison, dans la période qu'on traverse actuellement, leur situation est quand même d'une très très grande fragilité, voire d'une très grande précarité. Donc tous les acteurs possibles qui sont là pour les accompagner sont indispensables. Et la fondation occupe sa place, voilà, qui est une place effectivement à mes yeux déterminante et en tout cas passionnante, voilà, puisque j'ai la chance de diriger cette fondation depuis un peu plus de 4 ans.
Alors, c'est une fondation, vous avez raison, Aya, de l'indiquer. C'est une fondation qui est assez peu connue parce qu'elle a cultivé, depuis sa création en 1976, elle a cultivé une sorte de grande discrétion liée à la philanthropie, finalement, à l'esprit, finalement, de ce mécénat, puisqu'il s'agit de mécénat. Donc, cette fondation, elle s'appelait autrefois la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, la FNAGP. Et elle a été créée en 1976 pour administrer deux legs qui avaient été faits à l'État antérieurement et qui ont en commun d'avoir été faits dans la même dimension, la même volonté d'accompagner justement ces artistes plasticiens. Donc, historiquement, il y a un premier legs qui est celui de la baronne Adèle de Rothschild, qui lègue en 1922 un magnifique hôtel particulier qui se trouve rue Berryer dans le 8e arrondissement. J'ai la chance que le siège de la fondation se trouve à cet endroit-là, donc je suis plutôt très très bien lotie. Donc c'est un merveilleux endroit qui a marqué une partie de la génération, de ma génération de professionnels de l'art, parce qu'il y a eu pendant très longtemps beaucoup d'expositions, notamment le Centre national de la photographie, il a fonctionné pendant 10 ans avant d'investir le Jeu de Paume. Donc voilà, un lieu très marqué, mais ce bâtiment, cet ensemble patrimonial absolument merveilleux qui conserve encore quelques collections, a été légué par la baronne de Rothschild pour servir la cause des artistes. Donc ça, c'est le premier legs, si vous voulez. Il y a un deuxième legs qui est postérieur, qui date de 1944, qui est lié encore à la générosité de femmes. Vous voyez, il y a trois femmes au-dessus du berceau de la fondation. Ce sont deux sœurs, deux artistes. Madeleine Smith-Champion, qui est peintre, élève de Jean-Jacques Henner, qui a sa carrière de peintre, qui a eu des prix d'ailleurs, mais qui a eu un relatif succès, et sa sœur, qui était photographe amateur, Jeanne. Et toutes les deux ont un immense domaine à Nogent-sur-Marne, donc de l'autre côté du bois de Vincennes, tout près de Paris. Et elle lègue en 1944 à l'État ce domaine avec la même dimension de philanthropie au service des artistes. Et elles ont une volonté un petit peu plus précise que la baronne de Rothschild. Elle lègue à la condition que l'une de leurs maisons, puisqu'elles ont chacune leur maison, leur château, que l'une des maisons devienne une maison de retraite pour les vieux artistes. Et dès 1945, c'est ce qui se produit, la Maison nationale des artistes, la première maison de retraite pour les artistes âgés, est créée, est ouverte dans la maison de Jeanne. Et donc, la Fondation des artistes, elle naît de la réunion de ces deux legs en 1976 à l'initiative d'un certain Bernard Antonioz, qui était un compagnon de Malraux et un inspecteur des services culturels, à l'époque où le ministère de la Culture n'existait pas d'ailleurs. Et c'est lui qui a cette idée de réunir ces deux legs qui ont en commun cette générosité de trois femmes au service des artistes plasticiens. Enfin, à l'époque, on ne disait pas les plasticiens, mais les peintres, les sculpteurs, etc. Et de créer une fondation privée, puisque la Fondation des artistes est une fondation privée, pour administrer ces deux legs et respecter la volonté de ces trois femmes, de ces trois donatrices. Alors, il y a eu d'autres legs après, mais ce sont vraiment les deux piliers fondateurs. Le modèle économique, si vous voulez, parce que on a cette dotation, on a ces deux ensembles, eh bien, comment est-ce qu'on fonctionne pour aider les artistes? Eh bien, c'est très simple, c'est à partir des revenus immobiliers, des revenus locatifs et des dons et des legs. Donc, c'est vraiment le modèle, si vous voulez, c'est que la rue Berryer, l'hôtel particulier que certains d'entre nous connaissent pour y avoir vu ces expositions, est loué en totalité à des associations culturelles, à des sociétés, à une société qui fait aussi de l'événementiel dans les salons. Tout ça génère évidemment des revenus immobiliers assez importants, assez conséquents, et c'est ce qui finance les activités que nous allons pouvoir développer ensuite en direction des artistes. Et puis on a une deuxième source qui sont les dons et les legs, puisque c'est la tradition de toutes les fondations reconnues d'utilité publique à but non lucratif, ce qu'on appelle dans le jargon les FRUP. Donc on peut défiscaliser les dons, les legs, etc. Donc il y a cette tradition-là. Et puis, pour être tout à fait transparente avec vos auditeurs, c'est qu'on a aussi une autre source de financement public, mais ciblée pour la Maison nationale des artistes, parce que la Maison nationale des artistes est devenue, dans les années 2000, un EHPAD. Avec les agréments et les conditions d'hébergement, d'accueil de personnes fragiles, on va dire. Et donc, on a des financements du ministère de la Santé, l'Agence régionale de santé, qui sont fléchés sur cet établissement. Voilà. Donc, c'est le modèle économique. Et avec ces financements-là, donc je mets de côté le financement santé pour l'EHPAD, avec les financements des revenus locatifs et des dons et des legs, eh bien, nous redistribuons cet argent à l'endroit des artistes.
C'est extraordinaire. Moi, j'adore cette histoire. Déjà, c'est assez rigolo parce que ces dernières semaines, à l'Artie Média, on a travaillé sur Turner. Enfin, vous avez Ouais. des photos magnifiques au musée Jacquemart-André, etc. Ça nous a tendu Ouais, ouais, ouais. dessus, on a fait des vidéos dessus. Et en fait, on a appris que lui, à la fin de sa vie, dans son testament, il avait légué une certaine somme pour la création d'un hospice. À l'époque, ça s'appelait hospice Oui, pour les. absolument. Pour artistes nécessiteux. Et en fait, c'est fou parce que ça n'a jamais été fait, sa volonté n'a jamais été respectée, mais on dirait que c'est quand même une préoccupation assez importante de savoir que c'est vrai qu'on imagine les artistes avec ce foisonnement, etc., et puis toujours des fins de vie, enfin, un grand âge peut-être un peu difficile, Oui. et c'est extraordinaire en fait Ah cette. oui. Non, mais vous avez raison. Moi, je suis complètement fascinée par la figure de ces trois femmes, par Adèle de Rothschild, Madeleine et Jeanne Smith, parce que derrière la collectionneuse qui était Adèle de Rothschild et les artistes, et surtout Madeleine, la peintre, il y a une volonté, une générosité à l'endroit de ses pères qui est quand même absolument extraordinaire. Pendant la Première Guerre mondiale, Jeanne va transformer sa maison en hôpital, en hôpital auxiliaire pour accueillir les premiers poilus qui sont blessés au front. Donc, vous voyez, c'est des femmes qui ont consacré toute leur vie finalement à une grande forme de générosité et d'altruisme. Et ça se traduit en fait après leur mort par ce legs et la fondation est là pour animer, respecter et amplifier finalement la volonté de ces femmes. Et je dois dire que dans les dispositifs qui sont au service des artistes, eh bien ben, je pense que voilà, on respecte, je pense qu'elles peuvent être heureuses là où elles sont de la manière dont ce patrimoine a été transmis depuis 100 ans pratiquement pour la baronne de Rothschild et un peu plus récemment pour les sœurs Smith. C'est une histoire vraiment hyper riche, extraordinaire. Et en même temps, peut-être qu'on peut regretter qu'il y ait encore besoin aujourd'hui de ces infrastructures pour les artistes, parce que cette histoire, elle prouve aussi quoi? Qu'ils sont centraux, qu'ils sont des figures centrales, qui sont peut-être parfois un petit peu délaissées sur des aspects pragmatiques, concrets, des nécessités du quotidien. Voilà, on sait voilà, qu'il y a un modèle même du marché de l'art qui fait qu'on doit produire avant de pouvoir vendre, etc. Bien Il y sûr, a un coût pour la production. On a eu dans l'Artie Média plusieurs fois l'occasion d'en parler, notamment avec des jeunes artistes qui se posent cette question de comment vivre de leur art et pouvoir se donner les moyens de vraiment réaliser leurs idées. Et du coup, vous nous disiez, ça fait 4 ans que vous êtes à la tête de cette institution. Quel est votre constat à vous aujourd'hui, si, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Vous les assistez depuis la sortie de l'école d'art jusqu'à justement cette maison de retraite pour les artistes où ils peuvent rester dans un environnement créatif avec des moyens à leur disposition. Qu'est-ce que la difficulté ou peut-être les avancées qui ont été faites justement récemment pour ces artistes, quel constat on peut faire aujourd'hui? Quelle est la Alors, situation? oui, moi je ne parlerai pas d'avancée parce que en réalité, je pense que dans l'art, il y a toujours une nécessité d'avoir des commanditaires qui étaient des mécènes, qui étaient qui sont aussi les instances publiques, parce que il faut pas nier le rôle important, surtout en France, du ministère de la Culture. Mais c'est une addition de tout ça qui fait en fait un écosystème et j'allais dire la force de la fondation, ce que je perçois, j'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique au ministère de la Culture, donc j'en parle avec cette double casquette, si je puis dire, enfin cette première expérience. La force de la fondation, c'est sa capacité à s'adapter, c'est sa souplesse, c'est son statut finalement de fondation privée. Je prends un exemple très simple. Il y a 4 ans, quand j'ai pris mes fonctions avec le conseil d'administration et le président de notre fondation, qui est un amateur d'art absolument formidable, on a constaté très vite qu'il manquait un dispositif qui était ciblé, justement, vous le disiez, sur les très jeunes artistes qui sortent d'une école d'art. Il se trouve que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à l'École des Beaux-Arts de Paris, donc j'ai bien vu ce dispositif et je me suis rendu compte que finalement, c'était dans les années 90, les artistes, lorsqu'ils sont dans l'école, quelle qu'elle soit, aux Beaux-Arts de Paris, à Nantes, peu importe, ils ont une infrastructure formidable à leur disposition. Intellectuels, matériels, les espaces, etc. Ils peuvent sortir diplômés de cette école, et pour autant, les 2 ou 3 années qui vont suivre peuvent être terribles.
Il y a une déperdition phénoménale. J'ai suivi un des lives que vous avez proposé où vous parlez de cette proportion d'artistes femmes dans les écoles d'art et la traduction ensuite dans la réalité du marché de l'art. Vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre. Et il se trouve que quand j'étais au Beaux-Arts, on avait fait une étude à l'époque avec Alfred Pacman, qui était le directeur, sur le devenir des artistes 10 ans après leur diplôme à l'école des Beaux-Arts. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait un tiers des jeunes formés qui étaient à 100% des femmes, qui disparaissaient de la sphère artistique, complètement. Parce que, voilà, des travaux alimentaires, les enfants, etc., la vie. Donc, fort de cette expérience-là, avec le conseil d'administration, avec Guillaume Cerutti, on s'est dit, il faut qu'on mette en place, il faut qu'on invente un système. Je ne dis pas qu'il est pérenne et qu'il est la réponse idéale, mais immédiatement, on s'est dit, il faut qu'on trouve une manière d'accompagner ces jeunes artistes au démarrage de leur carrière. Donc, le premier levier d'intervention de la Fondation s'adresse aux écoles d'art et pendant 2 ans, on monte un partenariat avec une école, on co-construit un programme qui est destiné aux artistes qui sont sortis diplômés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. De l'école en question. Donc, ça peut être une bourse de résidence à l'étranger, ça peut être un doctorat, une thèse, c'est ce qu'on avait fait avec l'école de la photo. En ce moment, on a un partenariat avec les écoles d'art de Bretagne, donc c'est plutôt des résidences à l'étranger, qui là, avec le Covid, évidemment, sont reportées à l'année prochaine, mais bon, les artistes vont pouvoir partir en Australie et au Mexique. Voilà, c'est d'essayer de voir comment, à notre échelle, avec nos moyens, qui ne sont pas non plus illimité, comment est-ce qu'on peut accompagner cette nouvelle génération d'artistes qui démarrent? En fait, on veut faciliter, raccourcir ce temps de latence entre la sortie de l'école et le moment où ils ont la possibilité de travailler. Parce qu'on sait très bien que quand ils sortent de l'école, il faut qu'ils aient un espace, un atelier, il faut qu'ils aient une galerie, il faut qu'ils aient des collectionneurs, il faut qu'ils puissent produire. Et donc, c'est fort de cette photographie-là, si vous voulez, on a essayé de déployer la manière de répondre, d'aider, d'accompagner les artistes. Parce que ce que vous disiez très justement, la fondation, elle est là pour les accompagner à différents moments de leur carrière. Donc ça, c'est le début de la carrière. On a un deuxième dispositif, alors qui est bien connu des artistes, enfin, c'est probablement d'ailleurs le plus connu, qui s'appelle la commission mécénat, qui est en fait une aide à la production. Il se trouve que la commission se réunit demain, donc demain toute la journée, je suis avec les membres du jury. Et sur 100, 120, 130 dossiers, on va choisir à peu près 20, 25 dossiers d'artistes, de projets, donc d'œuvres qui n'existent pas et qu'on va financer, on va soutenir financièrement, parfois dans des proportions assez conséquentes, pour permettre à l'œuvre d'advenir. Là, l'enjeu de ce deuxième levier, c'est de permettre aux artistes de produire une œuvre. Donc on consacre 500 000 euros chaque année uniquement pour ce dispositif, avec 2 commissions, une au printemps et une à l'automne. Donc c'est un levier que je trouve formidable parce qu'il y a assez peu d'aide à la production, il y a des aides à la diffusion, le CNAP, enfin d'autres structures, d'autres fondations privées soutiennent la diffusion, mais la production, c'est-à-dire les choses qui se font en amont, c'est beaucoup plus rare. Et donc on a un rôle important à jouer. Ensuite, on a un troisième levier, qui est justement le soutien à la diffusion. Et la réponse qu'on a formulée au sein de la Fondation se fait à travers un centre d'art qu'on a créé dans la deuxième maison de Nogent, celle de Madeleine. Celle de Jeanne, c'est devenu la maison de retraite. Celle d'à côté, c'est le centre d'art qui s'appelle la MABA, qui veut dire Maison d'art Bernard Antonioz, qui est un centre d'art qui existe depuis 2006, dans lequel on déploie une programmation d'exposition qui sont toutes gratuites, qu'on produit évidemment et qui sont d'accès libre, comme beaucoup de centres d'art, et nous sommes membres du réseau Tram. Voilà, on essaye à la fois de permettre de donner une visibilité à des œuvres produites qui ne sont pas forcément les œuvres qu'on a soutenues financièrement. Hein. C'est à chaque fois, ce sont des dispositifs distincts qui peuvent parfois s'additionner, mais il n'y a pas d'obligation. Et ce qui est important dans la MABA, alors je suis un peu triste parce que, comme beaucoup, j'espérais pouvoir ouvrir la MABA la semaine prochaine, mais en réalité, le 15 décembre, pour nous, ça va être trop tard puisque l'exposition se terminait le 20. Donc, on ne réouvrira la MABA qu'au mois de janvier avec la prochaine exposition. Alors, cependant, l'intérêt de ce centre d'art situé à Nogent-sur-Marne, c'est qu'il donne des rendez-vous dans trois zones de création différentes. On avait en ce moment, et malheureusement l'exposition aura été courtée, aura été amputée d'un mois, un mois, un peu plus d'un mois et demi de durée. C'est une exposition qui est consacrée au graphisme.
La création graphique, le design graphique a très très peu de lisibilité en France, sur le territoire. On peut le déplorer. Il y a Chaumont, il y a quelques structures, mais à Paris, en région francilienne, il y en a très très peu, enfin même quasiment plus. Et la MABA se positionne comme un lieu qui, tous les automnes, donne à voir une question liée au design graphique. Et là, nous avions une magnifique expo qui s'appelle Variation épicène et qui est consacrée à des graphistes femmes. Celle dont on voit aussi assez peu le travail, enfin on le voit mais sans forcément savoir quelles en sont les autrices. Et c'est un très joli projet imaginé par une historienne de l'art qui s'appelle Vania Pinter, qui travaille sur ce sujet depuis très longtemps. Et puis en janvier, on va ouvrir une exposition consacrée à Cécile Hartmann, qui est une plasticienne dont on va dévoiler la production tout à fait magnifique. Elle travaille dans la photographie, la vidéo, sur un univers qui lui est très, très, très personnel. Et l'exposition s'appelle Le Serpent Noir. Et puis, au printemps, donc on a graphisme, l'art contemporain, et en général, on a une exposition sur des questions liées à l'image, à la photographie, à la vidéo. Donc ça, c'est notre soutien à la diffusion. Nous avons un quatrième levier, là encore, qui a été créé récemment, partant du constat qu'il y avait peut-être une brèche où on pouvait, nous, apporter notre contribution, qui est le rayonnement de la scène française, la manière dont on peut percevoir la richesse, la diversité des créateurs français à l'étranger. On sait tous, professionnels, qu'on a une scène vraiment riche, variée, extrêmement intéressante et qu'on a probablement plus de difficultés à promouvoir à l'étranger pour des raisons, bon, voilà, peu importe d'ailleurs, c'est un constat qu'on peut faire. Donc, on finance, là, depuis 2 ans maintenant, des résidences. C'est-à-dire qu'on passe d'un partenariat avec une résidence d'art à l'étranger qui existe et on finance le voyage et le séjour pour 2 artistes, un jeune et un confirmé, dont la carrière est confirmée, mais qui peut aussi avoir besoin de se confronter à une scène internationale. Donc là, en ce moment, c'est avec le Canada, avec Montréal, avec la Fonderie Darling. On a déjà 2 artistes qui sont partis et 2 autres qui vont partir l'année prochaine. Cinquième levier, parce que là aussi, un artiste, je le disais en introduction, il a besoin d'un espace de travail, ce sont les ateliers. Donc la fondation, dès sa création dans les années 70, a créé un premier parc d'ateliers en bas dans le parc de Nogent-sur-Marne, puisqu'on a la chance d'avoir 10 hectares arborés, donc on avait de la place. Donc on a créé les premiers ateliers, puis après sur un terrain mitoyen, et puis maintenant sur Paris. Et aujourd'hui, on a 91 ateliers et ateliers logements. Donc, c'est la politique d'attribution d'ateliers à des artistes. Et Dieu sait, c'est absolument indispensable parce qu'un plasticien qui n'a pas l'espace de travail adéquat pour produire, sa carrière sera évidemment affaiblie, enfin, et fragilisée de ce fait. Alors, il n'y a jamais assez d'ateliers parce que, vous voyez, en ce moment, j'ai 150 artistes à peu près qui attendent l'attribution d'un atelier. Mais je suis tributaire des vacances, des mouvements, quand certains artistes s'en vont, ils libèrent des espaces. Et puis le dernier, sixième et dernier levier, vous en avez parlé, Ayat, c'est la maison de retraite, c'est la Maison nationale des artistes, qui est cet endroit juste, moi, qui me fascine, qui est un rapport à la vieillesse, au grand âge, mais dans un univers avec des personnalités qui sont absolument fascinantes, parce que bah, tous ces artistes. Alors, la particularité de la Maison nationale des artistes, c'est qu'elle n'accueille pas que des plasticiens, elle accueille aussi des musiciens, des architectes, des poètes, des écrivains, des chanteurs plus ou moins connus. Et on a 80 personnes dans le grand âge, parfois abîmées par l'âge, évidemment, il faut pas se leurrer, mais d'autres pas du tout. Et c'est une source inépuisable d'histoire, de passion, de petites lumières dans les yeux quand on parle avec eux. Et tout le projet d'établissement, c'est de les accompagner pour vieillir le mieux possible, dans les meilleures conditions, en ménageant un environnement culturel et en les nourrissant avec ce qui les a nourris toute leur vie, c'est-à-dire la création, l'art, l'histoire de l'art, le patrimoine. Donc tous les jours, il y a, alors tous les jours, quand il n'y a pas le Covid, évidemment, parce que là, pour l'instant, les choses sont comme dans beaucoup d'EHPAD, entre parenthèses, mais cependant maintenues, l'équipe est absolument fabuleuse et se démène pour maintenir des conférences, des concerts, des lectures, des ateliers de création musicale, enfin que sais-je. Voilà. Donc c'est la fondation, si vous voulez, c'est l'addition de tous ces dispositifs qui permettent à un artiste
au fil de sa carrière, ben, de se tourner vers nous en disant, ben, moi, au moment où je me trouve, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir un atelier avec une superficie suffisante pour permettre de faire des grands formats, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire on n'a pas ça en magasin tout de suite, mais voilà, les financements que j'évoquais au début de notre conversation sont là pour permettre d'offrir ces dispositifs auprès des plasticiens. C'est ce que vous décrivez absolument tentaculaire. On a du mal à imaginer justement quelque chose d'aussi global et aussi complet. Je crois qu'on est assez. Je pense qu'on est la seule fondation à avoir cette amplitude d'action. Alors, très segmentée, hein, c'est vraiment les artistes plasticiens, mais je pense qu'ils en ont bien, bien besoin. Ben oui, et puis c'est souvent des aspects qu'on méconnaît. Oui. C'est-à-dire il y a aussi cette image qu'on peut avoir de l'art et surtout de l'art contemporain, de quelque chose de super bling-bling, la banane sur le mur, enfin voilà, quelque chose d'assez facile, entre guillemets, très conceptuel, mais qui va de soi avec une certaine célébrité, une certaine prestance, ce genre de choses. Et en fait, c'est absolument minime. Ouais, ouais, ouais. C'est pas représentatif de la réalité de la vie d'un plasticien. Moi, je dis toujours, j'ai toujours rêvé et j'ai eu la chance tout au long de ma carrière de travailler avec les artistes. Et ils me fascinent parce que c'est des choix de vie quand même. Il faut un courage. Je ne vais pas parler de vocation parce que, mais pour moi, c'est un vrai choix de vie. C'est des gens qui, voilà, vont s'engager avec le risque de la précarité, avec le risque de la gloire, de la chute. C'est pour ça que ce que j'aime beaucoup dans cette fondation, c'est cette notion d'accompagnement, quel que soit l'âge et le moment de la carrière. J'ai souvent l'occasion de rappeler qu'il faut aider les jeunes artistes, c'est indispensable, il faut les aider à démarrer. Mais il ne faut pas oublier les artistes, même confirmés, qui sont en milieu de carrière et qui ont un exercice très compliqué à faire, qui est de continuer à produire, à créer, à se réinventer, à intéresser leur collectionneurs, les musées, les structures, etc. Finalement, c'est très, très compliqué. C'est un exercice qu'on n'imagine pas. Il faut les côtoyer pour se rendre compte, finalement, de la réalité de ce qu'est leur vie. Et c'est vrai que le côté bling-bling, alors effectivement, le monde de l'art fait qu'on brasse des millions sur certaines sommes, mais c'est une partie tellement, tellement peu représentative de la réalité de terrain, de ces artistes que je côtoie, avec lesquels j'ai un plaisir mais fabuleux à échanger. Ce sont des personnes qui nous ouvrent des portes, qui nous font pressentir des choses. Je suis jamais aussi heureuse que quand j'échange avec eux, et pas forcément parce que je peux toujours leur apporter une solution, loin s'en faut. Enfin, sinon, j'aurais une baguette magique, ça serait génial, mais c'est pas le cas. Mais déjà, si vous voulez, dans le dispositif même, fondamentalement, de cette fondation, elle a été créée, voulu créée pour eux. Et elle est à leur service. Et donc, voilà, ma mission à moi avec l'équipe, c'est de rendre ça possible et actif à chaque moment de la journée, presque. Et du coup, dites-nous en plus sur votre rôle justement à vous, parce que souvent, directeur de fondation, directeur d'institution, c'est quelque chose d'assez abstrait. On peut penser que c'est quelque chose d'honorifique et on comprend bien dans ce que vous dites que c'est tout sauf ça. Très opérationnel, très au contact. Ouais. C'est très, très opérationnel. Alors, je vais vous dire, franchement, c'est ce que j'aime aussi, hein. Alors, la Fondation, c'est une très petite équipe. Je vous ai parlé de la myriade, l'amplitude. En réalité, on est 38 agents, dont 30 à la maison de retraite. Donc, dans les 38, vous avez les infirmiers, les aides-soignants, donc des gens qui ont un métier, un savoir-faire, qui est évidemment absolument pas le mien, et qui travaillent sur le bien-être et le quotidien de la maison de retraite. Donc, il ne reste plus que 8 personnes qui ne sont pas liées directement à la maison de retraite et qui font vivre l'ensemble de ces actions. Donc, c'est un travail d'équipe, d'une petite équipe, mais qui est passionnée, qui est animée par ce qu'on fait, et il le faut, c'est indéniable. Et avec une espèce de polyvalence quotidienne. Moi, mon quotidien, si vous voulez, c'est de passer d'une casquette de bailleur, parce que bah, il faut que je fasse rentrer l'argent. Donc, le gros aussi de mon travail, c'est les relations avec tous les locataires pour faire en sorte que l'argent rentre.
Et comme je le dis parfois, quand il y a des difficultés, bah, je peux l'entendre et puis on est là pour discuter. Mais c'est en même temps ce qui va aussi financer de l'autre côté la bourse, la construction d'un atelier ou le montage d'une exposition. Donc ça, c'est une part importante aussi du quotidien. C'est bon, l'animation de l'équipe, bien entendu, mais j'ai la chance d'être entourée par encore une fois, des collaborateurs hyper passionnés et compétents. Et c'est la relation avec les artistes. Alors, quand il y a, comme demain, la commission mécénat, donc un jury, des professionnels, et travailler pendant une journée entière, étudier chaque dossier, se dire, est-ce que là, on ne peut pas aider tous les artistes, on a beaucoup d'argent, là, on va avoir 250 000 euros à distribuer, quand même pas rien, mais l'idée, c'est de repérer évidemment les projets les plus intéressants et ceux dont on peut penser que ce coup de pouce-là, à cet instant-là, peut apporter quelque chose de plus dans la carrière de cet artiste. Alors, je ne dis pas qu'on réussit toujours, mais quand même, on a sur cette commission de mécénat, c'est absolument fabuleux. Il y a 387 artistes qui ont été aidés depuis 2011. Je dis ça parce qu'on est en train de préparer un livre. On va fêter les 10 ans de la commission en décembre 2021. Et comme c'est quelque chose d'assez discret, personne ne sait finalement. Les œuvres, elles existent. Vous les voyez dans une biennale, vous les voyez dans une galerie, dans un musée, dans un FRAC, sans forcément savoir que l'œuvre a été soutenue financièrement par la fondation. Et ça, je trouve que c'est bien la philanthropie, c'est vraiment du mécénat. Pour autant, c'est important aussi que la fondation, à un moment, acte de cette générosité. Et donc, j'avais proposé à Guillaume Cerutti et aux membres du bureau de fêter les 10 ans de cette commission et de faire un ouvrage qui donnerait la photographie d'une décennie de production artistique en France. Et donc là, bah, je travaille avec des historiens d'art, des commissaires, les artistes. Je les contacte pour leur demander des tas de choses. Alors, il y a les artistes avec lesquels on travaille sur les expositions, bien entendu. Les résidents de la maison de retraite que je chéris parce que c'est vraiment des personnalités, mais tellement incroyables. Si j'en avais le temps, moi, j'aimerais passer mes 2 heures tous les jours à discuter avec tel ou tel. Et puis, le plaisir aussi qui est encore rare, trop rare, mais qui arrive tout de même, de contacter un artiste en lui disant, ça y est, c'est bon, c'est vous qui avez l'attribution de l'atelier, la commission s'est réunie, tout est au clair, tout est ouvert, c'est bon, vous avez les clés, vous pouvez vous installer. Bon, vous voyez, c'est à la fois des choses très pragmatiques, très terre à terre, mais en même temps très constructives et humainement très, très, très riches. Oui, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens. Chaque action a du sens et une répercussion tellement, tellement immédiate, tellement C'est concrète. ça, exactement. On connaît ça voilà, à travers des prix. Il y a beaucoup de prix pour jeunes Oui, artistes, pour l'art oui. digital, pour telle grande marque de voiture, pour qu'on va pas nommer. Voilà, ce genre de choses. Mais il y a tellement de freins aussi pour postuler à ça. Faut monter. Enfin, les dossiers sont extraordinaires. Si les artistes veulent postuler à 10 prix, c'est des semaines de travail. Donc oui, c'est fabuleux d'avoir une solution pérenne. Enfin, voilà, on comprend bien évidemment que vous ne pouvez pas aider tout le monde et que c'est compliqué, mais Non, il y a quand même le passage obligé du dossier, il y a quand même les commissions, et heureusement, je ne peux pas assumer la responsabilité. C'est toujours des jurys, ce sont toujours des décisions collectives. Et c'est important parce que, vous voyez, la commission mécénat qui va se dérouler demain matin, c'est des moments extrêmement intéressants parce que chacun a son regard. Il y a certains articles que je connais, d'autres que je ne connais pas du tout, dont je découvre le dossier à travers la lecture du document. Et donc, c'est comme ça que finalement, j'ai aussi ce privilège, c'en est un, de découvrir presque en amont ce que certains artistes vont produire demain, dans un an, dans 2 ans. Et j'ai un ami journaliste qui me disait, mais il me dit, mais tu devrais exploiter ça. Je dis, non, non, je ne peux pas exploiter ça, j'ai pas, ça ne m'appartient pas. Mais j'ai quand même ce sentiment, tout d'un coup, d'être à un instant où on voit. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte que beaucoup d'artistes sont habités par des problématiques communes. C'est-à-dire que finalement, ce qui va se dessiner, des sujets qui seront à l'œuvre dans beaucoup de productions, dans un an ou deux, eh bien, enfin, quand je dis moi, nous, à la Fondation, on commence à les identifier très vite, très, très, très tôt. Donc, j'ai aussi ce sentiment de ce privilège de découvrir finalement ce qu'il y a dans la tête de ces artistes lorsqu'ils viennent nous voir pour nous demander de les accompagner dans la production d'une œuvre.
Donc ça, c'est quand même formidable. Super important, vous avez raison de rappeler le rôle des jurys, etc. Mais justement, il y avait lors d'une des discussions qu'on a eues avec Juliette Bibas, qui est une jeune commissaire ultra talentueuse qui a pour cheval de bataille de rétablir un peu l'art numérique au sein de d'autres œuvres et de le Oui. quête de numérique, enfin, là, un cheval de bataille hyper intéressant et un peu infini, en tout cas très ouvert sur l'avenir, sur les préoccupations de jeunes artistes, pour le coup, nous disait qu'en fait elle avait développé, parce que ça l'a chagriné vraiment beaucoup de voir que justement dans les écoles d'art, les artistes, enfin les jeunes artistes, les aspirants artistes n'étaient pas du tout préparés à présenter leurs intentions, à présenter leur... à s'auto-promouvoir d'une certaine Ouais. manière. Cet exercice-là, qui peut être dans des pays comme les pays anglo-saxons, le Canada, etc., cet aspect est beaucoup plus développé, beaucoup plus pris en charge par l'éducation, par les écoles. Et qu'en fait, elle regrettait vraiment que dans aucune école d'art, il y ait cet exercice de dire, bon ben voilà, présente-moi ton projet, fais-moi un dossier, justement, parce que les concours sont des leviers tellement importants. Aujourd'hui, pour les jeunes artistes et pour les moins jeunes artistes, en fait, pour financer une œuvre. Bien sûr, bien sûr. Écoute, oui. Et en même temps, c'est assez drôle parce que on constate, en tout cas de notre point de vue un peu plus journalistique, peut-être chercheuse, etc., on constate quand même que avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., il y a toute une génération d'artistes qui au contraire essaie, se secoue un petit peu complètement et se défait complètement du circuit traditionnel pour Oui. s'autoproduire presque 100%, trouver son audience, pour pouvoir vendre ses œuvres en Tout à direct, fait. construire son discours directement avec une audience, etc. Moi, j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue là-dessus. Quel regard vous portez là-dessus? Il y en a beaucoup qui sont très critiques en disant qu'en fait, ça conditionne la création parce qu'il faut que ça soit instagrammable. Et qu'au final, Ouais. est trop important par rapport à la création. Qu'est-ce que vous en pensez, ou quel regard vous avez là-dessus? Il y a deux choses dans ce que vous dites. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec votre invité, c'est que moi j'étais dans les écoles d'art, dans une école d'art en l'occurrence, dans les années 90. Le constat qu'elle décrit était vrai dans ces années-là, où la question de la professionnalisation du métier d'artiste n'était pas considérée comme un élément à enseigner. Aujourd'hui, je crois que ça a beaucoup changé. Je crois vraiment que rares sont les écoles d'art, enfin, me semble-t-il, et les échos que j'en ai aussi, notamment avec les écoles elles-mêmes avec lesquelles je travaille, ou des artistes que nous soutenons dans ce cadre-là. Il y a quand même des modules aujourd'hui où on essaye de donner les clés pour permettre cet accès à différentes modalités, ne serait-ce que constituer un dossier, s'exprimer, etc. Après, ça c'est une chose. Donc je serais un peu moins critique sur cet aspect-là. Je crois qu'il y a eu vraiment des évolutions notoires en la matière. Pour autant, et ça peut s'entendre, est-ce que c'est le rôle de l'artiste? Est-ce que bon, les artistes que je connais qui ont ma génération sont pas des artistes. Je pense à certains, je n'aimerais pas, mais c'est vraiment pas les mieux placés pour parler de leur travail. Donc il faut voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle d'or, il faut essayer de s'adapter, et une des grandes qualités des plasticiens, c'est quand même cette capacité de s'adapter. La notion du collectif que vous évoquiez à l'instant, moi je l'ai connue toujours dans ces 20 fameuses années 90 aux Beaux-Arts, où il y avait Glassbox, qui est un collectif qui, à ma connaissance, était un des premiers qui se mettait en place. Et les jeunes artistes étaient partis du constat que l'accès aux galeries leur était impossible, qu'ils n'avaient pas d'espace, qu'il fallait qu'ils mutualisent leurs idées, etc. Donc, c'était les squats, les choses comme ça. Donc, cette capacité à se réinventer et à exister, c'est lié justement à ce que je disais, à leur choix de vie. Et à leur motivation à produire coûte que coûte et à s'exprimer. Donc, je pense qu'à chaque moment de la vie, ils s'adaptent, en fait, ils arrivent à réinventer les choses. Après, sur la question de l'Instagram, alors, c'est évidemment un outil que nous utilisons. Alors, en plus, d'autant plus qu'on est partenaire, la Fondation est partenaire d'un compte Instagram, dont je vais faire un peu de publicité, qui s'appelle Hélène Alain.
qui est un compte Instagram derrière lequel il y a des initiateurs publics et privés, des artistes aussi, qui est un compte qu'on a mis en place, donc avec ce collectif, on va dire, institutionnel, public-privé, qui cherche à mettre en valeur la scène artistique française. Donc, ça correspond finalement à notre axe de soutien à l'international. Et je pense que c'est un formidable outil parce qu'effectivement, ça permet de créer son propre réseau. Mais des œuvres ne peuvent pas se réduire au format Instagram. Pendant tout ce confinement, Dieu sait si les échanges ont circulé, rien ne remplace le contact direct avec l'œuvre. Qu'il soit une œuvre ancienne ou contemporaine, le contact direct dans les collections d'un musée, la relation à l'espace, à la lumière, à la picturalité d'une toile ou d'une photographie ou à l'atmosphère d'une installation vidéo, malgré les outils formidables dont on dispose aujourd'hui, c'est une autre expérience, mais qui est différente de celle qu'on peut avoir avec le contact direct avec l'œuvre. Donc, je pense que ça ne peut pas se réduire à les artistes Instagram à 100%. Je suis un peu plus sceptique, personnellement. Mais je vous comprends, je vous comprends. Il y a une matérialité dont on a besoin. Oui, je crois. Puis en ce moment, plus que jamais. Bien sûr, ouais, ouais, on s'en rend compte. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Je crois que on a parlé beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai ma tête qui continue à tourner à 1000 à l'heure. J'espère que c'est pareil pour tout le monde. Je ne sais pas si quelques-uns de nos auditeurs veulent en profiter pour vous poser quelques petites questions et pas qu'écouter les miennes. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Fondation maintenant? Alors, on sait qu'elle va rouvrir en janvier. Alors, la fondation, elle n'est pas fermée, elle continue. La commission se fait en virtuel. C'est la MABA, c'est notre centre d'art qui va rouvrir le 30 janvier avec une belle expo. Donc, je vous incite à venir la découvrir de Cécile Hartmann qui s'appelle Le Serpent Noir, qui est une œuvre inédite qui n'a jamais été montrée. Mais l'EHPAD, la maison de retraite, continue à fonctionner. On va monter une exposition d'une illustratrice incroyable qui s'appelle Gerda Müller. Qui est une illustratrice de livres pour enfants, quand on voit les livres de Gerda, tout le monde connaît cet univers graphique. On a la chance de l'avoir dans cette maison, elle continue à dessiner, donc on va faire une exposition du travail de Gerda Müller. Donc, si vous voulez, le confinement nous oblige, comme nous tous, hein, comme chacun d'entre nous, à nous adapter, mais les missions de la Fondation continuent d'exister, on continue à faire nos commissions. Notre conseil d'administration aura lieu début décembre en Zoom ou en Skype ou en je ne sais pas quoi. Mais enfin, bon, voilà, parce que notre président est coincé à Londres et ne peut pas revenir. Mais voilà, on continue. Non, à la limite, si vous voulez, pour vous répondre, ce qu'on pourrait espérer, en tant que directrice, ce que je pourrais souhaiter, c'est de nouveaux legs et de nouveaux dons. Comme j'ai l'habitude de le dire, plus on aura de générosité et plus on sera généreux à l'endroit des artistes. Plus on aura de gestes, on en a eu un l'année dernière, un médecin absolument incroyable qui nous a fait un chèque conséquent parce qu'il a été fasciné par le projet de cette fondation. Il s'est dit, mais moi, je ne savais pas que ça existait et j'ai envie de vous aider. J'ai cet argent qui ne sert à rien, je vous le donne. Et ça vient amplifier les bourses, les constructions d'ateliers, etc. Donc, voilà, si j'ai un vœu avant ces fêtes de Noël, c'est ça, voilà, que d'autres générosités continuent de perpétuer les premières générosités de la Baronne de Rothschild et des Soft Miss Champions. Écoutez, je pense qu'on est nombreux à vous entendre, on sera encore plus nombreux très bientôt. On a une petite question de Kaina qui nous demande si vous acceptez des projets cinéma ou en réalité virtuelle. Alors, nous, oui, absolument. Dans la commission mécénat, après, c'est la question du modèle économique. C'est-à-dire que, on a, à chaque commission, on a des projets d'artistes qui sont sur des modèles économiques du cinéma, c'est-à-dire à plusieurs centaines de millions d'euros. On a plutôt tendance à écarter ces projets-là et à privilégier des projets qui relèvent quand même de l'image animée, du cinéma ou de la vidéo auprès d'artistes. Donc, il ne faut pas s'interdire. Tout est possible. Hein. La règle du jeu est très large. Maintenant, il y a d'autres dispositifs qui existent pour des projets très, très ambitieux qui sont, encore une fois, sur des économies très, très supérieures à ce qu'on a l'habitude de soutenir. Laurence, merci. C'est, je crois, limpide. J'espère qu'on a répondu à votre question, Kaina.
Merci Laurence d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion très bientôt de se rencontrer, peut-être Avec rejoindre plaisir. la MABA. En tout cas, j'invite tout le monde à vous y rejoindre dès que ce sera possible. Et puis évidemment, à suivre les activités de la Fondation, ses actualités, ses réseaux, se tenir informé. Merci, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour votre énergie. Ça remplit vraiment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens. J'espère que je ne suis pas la seule. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont suivis pendant ce live. On fera un petit replay comme d'habitude sur YouTube et puis sur tous nos réseaux, donc Artimedia. Suivez-nous pour découvrir aussi la suite. Et puis j'en profite pour faire un petit coucou à Lisa et Xavier qui ont mis au monde le magnifique Tristan et qui viennent agrandir la team. Donc un grand, grand honneur à eux dans ces temps particuliers. Ça... C'est précieux. précieux, exactement. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, Hayat. Et merci pour votre travail de valorisation. Merci. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.